Dans cette vidéo, on va répondre à une question d'Imane Tselura. C'est quoi la différence entre les deux concepts web et Internet? En fait, l'Internet, ce n'est qu'un réseau informatique, donc il permet de connecter plusieurs ordinateurs pour communiquer entre eux. L'Internet, il nous offre plusieurs service, give ma visualisation de page web, transfert de fichiers, le chat. Donc, l'internet makinni men baja hajet ni je consulte des sites web, nabaf des documents, un email, je fais un chat avec une autre personne. Donc, parmi les services internet, on a visualisation des pages web. On y isole le terme web ou bien le World Wide Web. En fait, le web, ce n'est qu'un service de Internet. C'est un système hypertexte public qui fait en colo le web. Donc, c'est un système de pages web interconnectées à travers Internet. Et je vais me connecter à travers un navigateur web. Je vais consulter des pages web, des sites web pour visualiser donc ces pages web. J'ai besoin donc de ce service. Les pages web, ils sont stockées sur un serveur web. Le serveur web, un ordinateur connecté sur Internet. Donc, comme ça, je fais aller les documents pour faciliter les choses. Le web, ce n'est qu'une bibliothèque. Donc, c'est la plus grande bibliothèque du monde située sur Internet. Donc, c'est la bibliothèque, l'imajout, les documents hébergés sur les serveurs web. Donc, je peux, à travers un navigateur web, consulter ces pages web. On est donc passé d'une page à une autre à travers ce qu'on appelle les liens hypertextes. Donc, lorsqu'on dit le web, on dit la consultation des pages web ou la visualisation des pages web.